Le mois de Ramadan est un invité annuel qui vient une fois par année. Il fait partie de l'éducation islamique d'accueillir de la meilleure des manières et d'honorer son invité. Et également, quand on honore son invité, on l'honore quand il est présent, mais on l'honore également en préparant sa venue. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer quatre bases fondamentales qui sont là pour préparer le mois de Ramadan de la meilleure des manières. La première base de la préparation d'accueillir le mois de Ramadan comme il se convient, c'est avec les invocations, ad-du'a, le fait de commencer et invoquer Allah Azzel pour le mois de Ramadan. Allah dit « Wa qala rabbukum ud'uni » et votre Seigneur vous dit invoquez-moi et je vous répondrai et je vous exaucerai. Et dans le hadith il est dit ad-du'a wa al-ibada, l'invocation c'est l'adoration. Et le fait d'invoquer son Seigneur concernant le mois de Ramadan, c'est trois catégories de du'a. La première d'entre elles, c'est le fait de l'invoquer avant que le mois de Ramadan vienne et en demandant à Allah qui nous permette d'atteindre le mois de Ramadan. Allahumma ballighni Ramadana, oh Allah, fais que je puisse atteindre le mois de Ramadan. Pourquoi demander cela? Car combien de personnes ont jeûné avec nous l'année dernière, puis on a prié salat al-janaza sur eux, et puis ils ne font plus partie de ce monde-là. Et on ne sait pas quand le ajal, la fin de la vie, vient. C'est pour ça qu'on demande à Allah qu'il nous permette de au moins atteindre ce mois de Ramadan avec tout ce qu'il comporte. Deuxièmement, le fait de demander à Allah qu'il nous accorde le succès et la réussite pour pouvoir œuvrer de la meilleure des manières et œuvrer avec les œuvres pieuses telles que le jeûne, telles que la prière de Tarawih, la lecture du Coran et toute œuvre pieuse. Donc une fois qu'on a demandé à Allah qu'il nous permette d'atteindre le Ramadan, on lui demande que ce Ramadan-là soit profitable pour nous. Car combien de gens entrent dans le mois de Ramadan, sortent du Ramadan et ils ne tirent aucun profit. Donc deuxièmement, on demande à Allah qu'il nous accorde le succès pour les œuvres pieuses. Et troisièmement, concernant toujours dans les invocations, une fois qu'on a œuvré, on demande à Allah qu'il accepte ses œuvres de nous, en lui demandant qu'il fasse qu'on ne soit pas fatigué pour rien durant ce mois de Ramadan, mais bien au contraire qu'il soit heureux, satisfait de nous, et qu'il accepte également qu'il nous préserve, subhanahu wa ta'ala, du feu de l'enfer. La deuxième base sur laquelle repose la bonne préparation du mois de Ramadan, c'est tout simplement le fait de corriger son cœur, le purifier, le fait d'embellir ton cœur et son intention avec la sincérité. Que tout ce qu'on va entreprendre durant ce mois de Ramadan ne soit voué que à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Les actes ne valent que par leurs intentions et que chacun d'entre les gens aura que ce qu'il a eu comme intention. C'est-à-dire qu'il sera récompensé que uniquement en fonction de la qualité et de la pureté de l'intention. Et l'imam Ahmad disait à son fils Abdullah, ya Abdullah, fais en sorte de toujours avoir l'intention d'œuvrer en bien. Car combien même tu n'accomplirais pas l'action pour laquelle tu as l'intention du bien, mais l'intention en elle-même est suffisante pour être une bonne action. La troisième base pour bien préparer le mois de Ramadan, c'est le fait que la personne se rende compte qu'au final, tout ce que je vais faire comme action, eh bien, je suis le seul gagnant ou le seul perdant là-dedans. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur des cieux et de la terre, il est Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers, avec ou sans mon adoration. Si je l'adore et que je suis pieux, ça n'augmente rien sa grandeur. Et si je me détourne et je me rebelle, ça n'augmente rien sa grandeur non plus. Mais que finalement, tout ce que je le fais, c'est moi le gagnant. Et tout ce que je délaisse, eh bien, je serai le seul perdant. Et celui qui comprend cela, eh bien, il va utiliser, il va profiter de chaque instant. Il va profiter de sa santé, du fait qu'il soit en sécurité, de sa force physique, de son temps et de sa richesse et de tout ce qu'il peut dans le but de plaire à Allah et dans le but de préserver sa personne et d'être parmi les victorieux. Allah dit « Man amila salihan falinafsi » Celui qui fait une bonne action, c'est uniquement pour sa propre personne. « Wa man asa'a fa'alayha » Et celui qui œuvre en mal, eh bien c'est contre son âme également. « Thumma ila rabbikum turja'un » Puis vous retournerez auprès de votre Seigneur. Et il dit tabarak wa ta'ala « Qad aflaha man zakkaha » Il a très certainement réussi celui qui purifie son âme. Donc c'est lui qui a réussi. « Wa qad khaba man dassaha » Et il a très certainement été perdant celui qui la corrompt, qui l'avilit. Et la quatrième base ou le quatrième fondement, c'est tout simplement le fait de, à partir du moment où on a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous permette d'atteindre Ramadan, qu'il nous accorde le succès et qu'il accepte nos œuvres, qu'on a purifié notre cœur et qu'on veut vouer notre culte et ses actes d'adoration, cette fatigue et cette énergie et ce sacrifice que à Allah et à personne d'autre, et qu'on a compris que le seul gagnant c'est nous si on fait et que le seul perdant c'est nous si on délaisse, et bien la dernière étape c'est le fait de suivre la voie de Muhammad dans l'accomplissement de l'œuvre. À partir du moment où on commence à faire l'action, il faut qu'on voie qu'elle est bien conforme à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle répond et qu'on apprenne également et là qu'on s'instruise dans la sharia, qu'on apprenne les règles. En l'occurrence, il s'agit du jeûne du mois de Ramadan, qu'on apprenne les règles du jeûne. Allah dit Man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet son visage et son être à Allah? Wa huwa muhsin. Et il est bienfaiteur. Et il est muhsin. Al-ihsan fi din. Et le fait d'être bienfaiteur en matière de religion, c'est l'action de suivre la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et adorer Allah avec
sa charia et de prendre le Coran comme modèle. Et il est obligatoire, tout être humain qui veut emprunter un chemin dans les actes d'adoration, de s'instruire et de savoir ce qu'Allah il attend et comment Allah il accepte ce qu'Allah refuse dans l'acte qu'il veut entreprendre. Et celui qui veut prier, il doit apprendre les règles de la prière. Celui qui veut jeûner doit apprendre les règles du jeûne. Celui qui veut se marier doit apprendre les règles du mariage. Celui qui veut lancer un commerce, il doit apprendre les règles du commerce selon les lois islamiques, ainsi de suite. Ceci étaient les quatre bases sur lesquelles préparer le mois de Ramadan la meilleure des manières. Wallahu a'lam.